Monde, c'était pour vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, au vinyle. Voilà. Le tombeur est décoré. Il n'y aura plus qu'à marquer le nom, soit comme ça, soit comme ça. Et il y a la place. Voilà. Il est personnalisé avec des fleurs d'hibiscus. Bon, je pense que ce sera plutôt destiné. On peut le mettre là aussi. Je pense que ce sera plutôt destiné à une femme plutôt qu'un homme. Voilà. Il y a trois possibilités. Soit là, soit là, ou soit derrière. Là, de l'autre côté. Pas avoir les fleurs en bas. Voilà. Sinon, je vais me personnaliser cette gourde. Alors, je sais pas trop où, hein. Peut-être couvrir ça, je sais pas. Faut que je la lave avant, parce qu'elle a été oubliée dans un coin. Bah ouais, ça m'arrive d'oublier. Voilà quoi. Me voilà. Donc, eh ben, vous avez vu l'heure, hein? Bah oui, non, mais voilà. Hein. J'ai fait la sieste, et bah, après, mal de jambes terrible, mais alors, ça vient de se calmer. Et bah, je souffle. Hein. Oui. Alors, j'ai eu un mot gentil là d'un monsieur qui m'a dit continue à faire ce qui te plaît. C'est vrai que bon, j'ai beaucoup de d'activités hein, manuelles. J'ai beaucoup de choses que j'aime faire. Là, j'apprends, c'est vraiment le début. À me servir de cette machine-là. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer quand je le fais, quand ça dessine, quand ça découpe, etc. Puisque j'utilise mon téléphone. Ce serait bien que je m'achète une tablette pour pouvoir le faire. Mais là, j'étais dedans, donc j'ai échenillé. Donc, échenillé, ça veut dire tout enlever le surplus pour le mettre sur le tumbler. Et puis, on utilise un papier quadrillé, que ce soit de la marque Cricut ou non. Là, c'est pas Cricut, hein, c'est AliExpress. Donc, en position selon nos envies. J'avais fait les quatre d'un seul coup et après j'ai fait une par une. C'était pas facile parce que il y a toutes des choses qui s'enlèvent, des choses qui se décollent. Voilà, j'étais vraiment très concentrée et j'ai pas pensé à filmer du coup. Et c'est pas grave, c'est que la première fois, il y en aura beaucoup d'autres. Maintenant qu'elle est là, alors je vais m'en servir, je vais aller chez mes parents, leur montrer un petit peu ce que ça donne avec cette machine-là. Bon, j'ai pas encore testé les deux à la fois puisque je n'ai pas d'imprimante. Pour l'instant, elle refuse les cartouches, donc il faut que je nettoie les buses. À mon avis, c'est ça. Donc,
Pour l'instant, je peux pas faire de stickers et puis il faut des feuilles exprès. Donc moi, je voudrais des feuilles transparentes pour changer des stickers actions qui sont blancs. J'aime pas trop. Voilà. Et puis en fait, je me masse le mollet en même temps que je vous parle parce que ça fait du bien. Oui, bah j'ai été obligée de faire un courant d'air frais pour calmer la douleur. Et bah c'est pas rien quoi. C'est il y a très peu de moments où je dis que j'ai mal, mais alors là, ça a été quelque chose, croyez-moi. À tel point que je n'ai pas de bout, quoi. Je titubais. Voilà, le petit bout, là, il colle plus, là, à mon avis, hein. Oh, si. Et alors, j'ai le sac de transport pour la machine que j'ai acheté sur AliExpress. J'ai le temps, donc je suis pas pressée. Ça arrive quand ça arrive. J'avais acheté la housse. C'est bien tempéré parce que c'est pratiquement la même couleur à un ton près. C'est gris chiné. Et bah les deux vont ensemble, hein. Il y a assez de similitudes. Donc voilà. Et au-dessus du sac de transport, vous avez une pochette, une grande pochette qui fait toute la longueur du sac pour mettre vos outils. Une poche devant, des petites poches latérales. Une poignée à scratch. Très bien conçue. Très très bien conçu. Et devant une grande pochette aussi pour mettre les outils. Ouais, franchement, je suis pas déçue ni par les tapis, ni par le sac de transport. J'ai pris moins cher pourtant, hein, mais super. Impeccable. Alors, je suis désolée, mais je bavouille, j'ai trop de salive. Ça, pour ça, j'ai les glandes salivaires qui travaillent H24. Peut-être sauf quand je dors. Ouais. Donc voilà, bah, j'ai appris que ce vinyle-là, hein, il est un peu épais. Mais bon, faut se rassurer, hein, ça passe à l'eau, c'est nickel. Mais il est aussi épais que les Aeron-On. C'est des vinyles aussi, mais à chaleur. C'est le premier vinyle que j'ai acheté. Bah. Eh ben. Il est vachement épais.
ça c'est pas la peine que je l'emmène. Je vais aller chez mes parents. Je vais leur montrer un petit peu ce que ça donne. Ah oui, non mais change de position. Je me masse les jambes parce que un peu pas la droite mais la gauche, ça fait mal. Alors j'ai pris un Daflon pour la circulation sanguine. Ça n'a rien fait. Je sens que je vais prendre un efferalgan parce que... Ouais, je vais prendre un efferalgan vite fait. Avec mon verre à médicaments qui est tout sale. On dirait qu'il est tout sale, mais ça c'est... Quand je prends le Spagulax. Ça fait tout orange. Je suis désolée du truc. Mais ça fait tout orange et ça s'accroche au vert. Ça fera peut-être effet. Oui, en espérant que ça fasse effet. Et il fait à nouveau 25. Non, mais c'est pas possible. J'ouvre. Je dirais que ça sert à rien. Du coup, ouais, je suis changée. Oui. Attendez, regardez. Oh, c'est mamie. Ça, je savais pas. Hein. Il y a qu'en se voyant que... Voilà. Conseil. Heureusement que j'ai de la distraction parce que des fois c'est tellement dur. Que bah, je tomberais dans la dépression. Hein. Ça c'est clair. Hein. Le fait d'avoir sans arrêt des problèmes de santé. Ben encore, c'est un échappatoire en fait. Hein. Les activités manuelles, on oublie et on se détend et ça passe tout seul. J'aurais pas les activités manuelles, j'aurais pas cette force de mentalité. Hein. Bon, allez hop, à la vôtre. Voilà, je pose là, il faut que je fasse tremper. C'est le seul moyen de récupérer le verre. Alors, j'espère que ça, au bout de la quatrième fois, j'espère que là, ça va agir. Parce que je n'ai plus cassé. Donc ben voilà.
Pour l'instant, j'ai pas trop envie de décorer ma Cricut parce que comme elle est paraît neuve. Pardon, ça c'est les feralgans. Et ben comme elle est neuve, et ben j'ai pas trop envie de la personnaliser pour l'instant. Peut-être que c'est ce que je ferai chez mes parents, j'en sais rien. Et le thermocollant, il n'a pas de... Non, il n'y a pas de colle, lui. Jure que j'en ai marre là. Je suis mal cadré en plus. Voilà. Bon, bah, je vais vous laisser là. Je vous dis à plus. Et puis... Bon, bah, je peux pas filmer quand je suis chez mes parents parce qu'ils veulent pas. Bah, c'est leur droit. Hein. Voilà. Je vous montrerai le résultat des choses. Je vous dis à plus. Et voilà. Et voilà.